Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue à une nouvelle soirée Double Change Woolworth. Vos portables, bien sûr, your cell phones, please. And tonight we have quite a cast that Olivier Rosard is going to introduce to us. I believe it's going to be Sandra up first and then Sarah. But welcome everybody. It's going to be good. Merci beaucoup d'être là. Mr. Brossard, please. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux dans ce contexte troublé. Sandra Moussampès published 11 books, mostly with Flammarion and with the édition de La Tente. Amongst which, Colloque des Télépathes et CD Post Gradiva in 2017. Sunny Girls, published by Flammarion in 2015. And some excerpts from Sunny Girls were published in Canada, translated into English by Elena Rivera. She also published Acrobatie Dessinée et CD Beauty Sitcom, Photogénie des Ombres Peintes, et her most recent book is Cinéma de l'Affect, boucle de voix off pour film fantôme, which just came out with Édition de la Tente. She also works with sound and voice and released 4 albums of sound poetry. And we're very happy to have Sandra with us tonight. Sandra Moussampès. Bonsoir. Hello everybody. Donc, je vais vous lire des extraits donc, de ce livre, Cinéma de l'affect, boucle de voix off pour film fantôme, qui traite donc de la voix, des mémoires vocales archivées notamment, et des enregistrements spectraux. J'ai la chance dans ce nouvel épisode de me retrouver hors d'un gouffre, mais suspendu sur pilotis au-dessus du vide, la technique vocale ne suffit pas. La phrase prononcée lors d'un discours jamais retrouvé n'aide pas à clarifier le propos. On parlera ainsi de phase présomnambulique, comme pour les fillettes possédées dont les voix deviennent soudainement caverneuses et effrayantes. La mécanique surnaturelle de nos séances d'emboîtement n'est pas uniquement tissée d'organes. Car si l'on cherche à retranscrire le son de nos ébats, les cris se divisent en rires et en clameurs qui laissent perplexes. Après avoir fui dans la forêt en combinaison New Age, me voici revenu vers toi qui débute au théâtre une carrière de médium, tu fabriques des machines à remonter le temps pour un film expérimental basé sur notre histoire dans sa version non sous-titrée. Rien n'est au point pour le moment, je me retrouve auditrice de sonorités aussi floues que des ectoplasmes. L'astrologue disait suicide affectif, volonté de s'amputer lui-même de ce qui aurait pu l'élever. Ensuite, nous revenons vers des sommets plus enneigés, le best-seller de la tragédie. Les particules sanglantes sur les guirlandes, dégustation d'un cake au citron remise à plus tard. Des femmes sirupeuses ont du mal à combiner émotion et vie publique. Elles s'achètent des vêtements de marque, mais n'ont pas la lune en scorpion. La gravité de l'amour englobe l'ambivalence, écrivait une poétesse américaine. Je vois que tu me mâches le travail pour en tirer une logique. Un calcul compliqué te permet de séquestrer mes conclusions devant une tasse de thé bouillant. Un couple est une affaire et sa devanture. Nos langages produisent des implosions simultanées, mais la diction est opposée. Les tables tournantes, téléguidées par nos esprits, sont en rupture de stock, pénurie passagère qui n'appelle aucune subjectivité ni sensation d'intériorité.
Quant aux paillettes retrouvées sur mon corps, tu décides d'en faire une science phonétique à but non lucratif. Nous finissons par dépeindre nos phéromones sur un morceau de tissu fin qui nous recouvrira un jour. C'est une gageure cosmétique, l'activité préférée de la pensée. Avais-je cru t'entendre dire, dans une seconde boîte vocale laissée à l'abandon ? Comme tu n'aimais pas laisser de messages audio, j'en ai conclu qu'il s'agissait plutôt de la mort du magnétophone. Ces anciens répondeurs téléphoniques aux allures de coffre-fort. Les enregistrements ne peuvent plus être écoutés, alors on se repasse en boucle dans nos esprits de maigres passages sans époque, fluidifiés par l'accélération du temps. Quelle correspondance cherchons-nous en regardant un film, en lisant un poème, l'attente ou l'éloquence, à l'aide d'une métaphore répétitive, l'enjambement, la césure, les séquences entre le son et le sens, la poésie de l'affect, la juxtaposition du poème, temps et lumière fondus au noir, point de vue, fragment, métrique, soustraction. Quelle différence entre exorcisme et plan serré ? Une façon d'écrire dans le noir, le récit visuel. Au départ, c'est une composition du vivant, à peine redimensionnée. Nos pensées notées dans la maison sculptée, ces fragments, filmés en boucle, superposent les mêmes conclusions en créant un nouveau découpage. Je force les images à nous élever. Il faut remonter très loin pour savoir que nos voix off se rencontrent dans un trou noir, puis se disloquent ou envahissent nos rêves. Sur la bande-son, nous entendons un souffle derrière nous. Cela peut cadrer avec le ressenti d'une porte qui se referme. Nous sommes les auditeurs de notre propre sidération. La disparition du corps fantôme correspond à la présence de ton souffle après que tu sois sorti de la pièce. La mémoire balistique des films et des vies antérieures devient concupiscence. Ce que je trouve intéressant dans une photo est effacé par notre vision du présent. Je suis un langage dont tu es le dispositif sonore. L'utilisation des sons et des images fait mieux qu'une statue de cire, imperméabilisée, intitulée « Fiction sentimentale », et précieusement conservée dans du formol. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit livre qui ne m'aide en rien à affronter une personne cruelle. Il y a une description méticuleuse d'un homme en train de plonger dans une piscine, d'une femme qui fabrique ses masques de beauté. Ils n'habitent nulle part. Deux sœurs vivent l'une pour l'autre. On se fiche de savoir où. Ensuite, la photographie d'une plage vient servir de décor symbolique, peut-être le Havre ou Dunkerque. Certaines femmes se crispent à l'idée de tenir un journal intime. Il y aura toujours quelqu'un pour le lire un jour, lui donner une apparence provocante. Les deux sœurs ont décidé de retirer leur vernis à ongles avec du dissolvant. J'ai effacé le début de cette phrase à cause d'une répétition malvenue. Pour moi, la soirée se résume à essayer d'être moi-même, dans une jubilation intérieure. Cette histoire de sœur n'est qu'une diversion. Rien ne se passe comme prévu. J'ignore ce qui s'est produit. Au cours du voyage, la musique et les lumières s'éteignaient ponctuellement. On me disait qu'il fallait être cool. Pourtant, j'étais la seule à danser dans cette fête. Il se passe plusieurs mois avant que je ne me remémore les grandes lignes du quotidien entre moi et mon âme jumelle. C'est une source intarissable de tristesse. Les deux sœurs doivent ressentir, elles aussi, des vagues de nostalgie. Le micro par lequel j'enregistrais nos voix a fini par se consumer. La prise de son est une filiale de remords. Le bruit que fait le fantôme de ta voix est un nuage charnu, comme tes lèvres qui articulent mon prénom. Je guette une porte qui s'ouvrirait sur une réponse. Une telle vision génère d'autres voix dont le sens perdure bien après que le bruit et les visages
est disparu. Esprit phonétique. Donc là, c'est un poème autour donc de mon arrière-grand-tante qui était une cantatrice célèbre italienne et qui m'a inspiré ce recueil autour de la voix. Opéra poème. Mon arrière-grand-tante, Angelica Pandolfini, fut une cantatrice célèbre au début du siècle. Quand un jour je découvris sur YouTube sa voix enregistrée en 1903, son timbre ressemblait au mien, c'était troublant. Il y avait des commentaires d'admirateurs, des hommes surtout qui connaissaient Angelica mieux que moi, mieux que quiconque. Ils avaient chez eux des gramophones précieux. Ils écoutaient les enregistrements de la diva dont le buste se trouvait à la Scala de Milan. Son portrait photographié siégeait dans le salon à Paris chez ma grand-mère italienne d'origine qui arrêta le piano quand elle épousa un militaire. Mon grand-père devint ensuite général. Angelica était la sœur de Francesco Junior qui était lui aussi chanteur et dont le père était le baryton célèbre Francesco Pandolfini. Un jour, ma grand-mère partit toute seule pour l'inauguration des bustes à la Scala. Elle était invitée en tant que représentante de la famille Pandolfini. Elle avait amené son manteau de fourrure et une valise remplie de tailleurs très chics qu'elle cousait elle-même, de chaussures à talons aiguilles et des boucles d'oreilles, une paire pour chaque jour passé en Italie. Ce poème ne dit rien de la tessiture vocale d'Angelica. On savait qu'elle était contralto, même si personne ne l'avait entendue. YouTube n'existait pas, et les gramophones étaient rares. J'ai essayé plus tard de retrouver sa voix dans la mienne. Ce ne fut pas si compliqué. J'ai placé ma voix dans un écrin de pensées vertigineuses. Tout un siècle a défilé. J'ai écrit un texte en italien, j'ai composé une mélodie, puis rajouté des grésillements de gramophone, et les gens n'y ont vu que du feu. Je me suis longtemps demandé de quelle matière sont constituées les cordes vocales. Ne sachant pas où elles se situent, j'aurais pu emprunter une sonde gastrique et vérifier moi-même sur un corps inerte ce qui provoque ces ondes sonores humaines. La voix chantée, l'intérieur de l'humain, le cœur de son image, la présence de son phrasé. Les femmes chez nous criaient facilement sous des dehors respectables. Les voix des hommes étaient feutrées, sauf devant les matchs à la télé. Là où d'autres cris d'hommes se disputent une règle du jeu matriarcal. J'ai commencé à chanter quand j'ai senti qu'il fallait se taire. Après la mort de mon père qui désirait lui que je sois chanteuse d'opéra comme un complément d'enquête en contrefaçade à la famille paternelle, je suis devenue chanteuse de façon clandestine. Le chant s'est transformé en voix, le timbre en écriture, revenu à la voix sans que la voix y succombe. Monologue du microphone. Question inaudible pour somnambule averti. Utilisez-vous de la gentiane pour contrôler vos pulsions spirites? La rhétorique du ventriloque vous séduit-elle? Vous êtes-vous habitué à serrer vos dents tout en serrant sa nuque? Ce petit mantra phonique fait son effet si l'on observe la radiographie des cordes vocales. Tout l'aspect corporel de la pensée est ainsi remisé au fond de la glotte. C'est l'attirail des pensées journalières resté en travers de la gorge. Il faut donc appuyer sur une touche qui articule des sons à notre place, la pensée en action. Je pense, donc je me prononce et verbalise le discours. Vertigineux de comprendre que le son de la voix est en fait la charge mentale de son environnement intuitif. Il n'y a pas de pause à la pensée. Même en rêve, la pensée pense à notre place et nous réveille parfois en pleine ascension, dans une chambre close. Lorsque j'avais entendu le chant d'Angelica en 2014, j'avais perçu son message intégré à la capsule YouTube. Elle me conseillait clairement de laisser ma voix grésiller.
Les gramophones encerclent les mouches avec leurs entonnoirs et disposent de leviers captant la pensée vocale. J'apprends sur Wikipédia que mon grand-père, Franco Pandolfini, fut professeur de chant à Nice et publia un livre intitulé « Éducation de la voix chantée, principales directives théoriques et pratiques ». Ce livre fut perdu, alors j'en imaginais les conseils à toute diva en herbe et les garder dans une nouvelle boîte vocale que j'ai intitulée « Silence séquestré », avec des sous-titres pour chaque silence. Céréale midinette, romance au temps du capitalisme, sexisme des femmes entre elles, captation idéologique du féminisme, le vibrato le plus profond, la pornographie fait-elle un poème, et ainsi de suite, autant de petits traités insolubles, souvent hors sujet. Le contenu de ce type de boîte est toujours dans un dîner sociétal, en arrière-plan du débat. Invité, mais également trouble fait. La revanche du gramophone. Je téléguide un objet non identifié à but soporifique avec une mâchoire prête à articuler n'importe quel son de première nécessité. Une caméra vocale qui s'enraye au moindre doute, envoyée à l'univers par les entités recluses au sol, avec des moyens tels que le morse, la télépathie, le téléphone, des pots de yaourt reliés par de la ficelle, de petites poupées en tissu constellées d'aiguilles, un long chant cosmique de sirènes désabusées, ou quelques crampes dues à la gorgée de vinaigre matinal, une machine à écrire d'origine, etc. On converge ainsi vers le dénouement traditionnel. La captation de la prothèse émotionnelle qu'un automate lanceur d'alerte pourra faire dévier de sa trajectoire. L'émotion et la voix partant du même axiome de base, les cordes sensibles s'accouplent tandis que les cordes vocales se dédoublent. Si le son est empaillé, il survit à de très basses températures. Les textures vocales conservées dans du formol sont alors investis de propriétés euphorisantes, à rapprocher du poppers ou de l'huile essentielle de menthe poivrée. Furent mises en œuvre ainsi les propositions d'ectoplasme casanier, tout aussi obsessionnelles que leur maison, devenue pour l'occasion petite fabrique de figurines jumelées. Que dire des non-dits qui imprègnent nos dires? Leur son se divise en trois dimensions dans un au-delà inaudible. Nous trouvons la catharsis de l'élément du timbre sous forme ouatée, uniquement visible à l'œil nu. Aucun microscope ne peut parvenir à cet au-delà. Il s'agit de métaphores phonétiques relatant des secrets de famille, puis se divisant en cercles visuels et auditifs, parfois même olfactifs. La vague sonore retenue est alors semblable à des fibres passantes. Elle peut être sculptée ou prise en photo par une machine sourde qui en extraira les couleurs à la façon d'un diffuseur d'huile essentielle stromboscopique, les bandes sont laissées pour compte dans un hangar désaffecté, au département des rubans sonores démagnétisés, se trouve en compagnie d'objets insolites comme des poupées éventrées, ici pour dénoncer les effets de la propagande sexiste et pornographique associée à la séduction féminine, des archives trop anciennes pour être conservées au département voix trouvée, sans avoir pu être associées à un corps, un amas de magnétophones, de cassettes audio, standards ou de petite taille, de bandes magnétiques emmêlées, sointantes de résidus toxiques, des répondeurs téléphoniques contenant encore des messages des années 80-90, des voix de défunts ou d'enfants à présent adultes, des Walkman sans leur casque. Pour entrer au muséum, il fallait se munir d'une carte magnétique à puce ésotérique.
maniant aussi bien le retour dans le futur que l'idéalisation du passé. Le présent demeurait parfois introuvable, ou bien se déduisait de l'instant comme une équation vocale soluble dans un son strident au-delà des tympans. Mais où se situait l'au-delà ? L'audience elle-même, pourtant présente dans un cube entonnoir obscur avec des rideaux fermés de tous côtés, une installation vidéo de faux tympans menant vers un vrai tunnel, ne put y répondre dans le questionnaire proposé par les agents du muséum après la visite. Une apprentie cantatrice, profitant de l'acoustique du muséum, proféra néanmoins quelques vocalises devant un parterre vide d'auditeurs. Elle guettait les éventuelles fuites d'esprit phonétique vers cette porte sans serrure dont nul ne possédait le code secret, code intérieur bien sûr, aucune combinaison chiffrée ne pouvant être efficace. On pouvait apercevoir dans la salle principale du muséum des bustes d'ivoire disposés sur les étagères du département d'auto-envoûtement, ce qui donnait une idée de l'au-delà. Même pris dans le tourbillon de l'installation passé-futur, futur-passé, agglomération du temps, cube-tunnel, peu de visiteurs savaient se rediriger, certains endroits étant tout simplement impossibles d'accès par la porte. Quelque chose de précis s'était arrêté, comme dans le film « L'ange exterminateur » de Buñuel. Les visiteurs poussaient des soupirs. Confortablement installés dans de grands canapés de velours rouge, sans même saisir la nature de cette impossibilité à quitter les lieux. J'ai trouvé dans un vide-grenier en 2018 un de ces magnétophones des années 80, vendu 12 euros avec son étui en cuir et son microphone associé. Il restait la cassette d'époque. Cet objet contenait des messages des années 80. Ces voix que je ne pouvais plus entendre gisaient là, de façon imprécise, dans un espace-temps argenté sur une place de village en Normandie. Il serait impossible de trier les bandes entremêlées, parfois collées l'une à l'autre, implosant à leur façon avec cette mousse noirâtre, chimique, qui s'échappait. Y avait-il eu des supplications d'une femme abandonnée ? Des murmures de réconciliation, des conversations érotiques, des colères froides de femmes et d'hommes qui ne se comprendront jamais ou font fausse route. La machine à enregistrer les messages ne répondait jamais à mes questions. Elle pouvait donner la sensation d'être un psychanalyste pointilleux, dont les séances ne durent pas plus de 5 minutes. Avec en fin de séance le fameux « on va s'arrêter là, hein ?» quand le psychanalyste se lève, ouvre la porte, prend les billets et que la patiente se retrouve déjà à la rue. À défaut de congeler sa propre voix, elle reste intacte dans la boîte vocale des autres. On se dit après qu'on aurait dû dire autrement la même chose. Cette chose est compressée dans l'espace et elle reste là où on ne veut plus l'entendre. Je vais terminer sur un poème. La mort du magnétophone. La face A de la cassette est arrivée à sa fin. En la retirant délicatement, les rubans s'échappent des petits cylindres dentelés. Je rentre mon index et tourne, quitte à m'écorcher le doigt. Si je veux écouter cette cassette-là, celle qui se déroule ou s'en trouve, pour entendre une voix du passé, cela se termine toujours mal. J'ai vraiment cru que je l'entendrais, cette voix-là. Celle d'un ancien amoureux, celle de mon amie Starlet morte, celle de mon père vivant lorsque les répondeurs téléphoniques n'existaient pas. Ce conglomérat de toutes les voix formait un bruit de crissement de pneus increvables et je pouvais prévoir la mort du magnétophone. Merci.